Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog et ça commence fort puisque les filles sont super calmes. Hein, les filles, vous êtes super calmes depuis tout à l'heure, c'est génial. Et elles sont en train de faire leur dessin. Donc Arania, qu'est-ce que tu as fait là? Donc j'essaie de leur mettre les codes. Fais le jaune si tu veux maintenant. Regarde, tu prends la couleur jaune et tu fais la lettre E. La lettre E, tu vois où est-ce qu'elle est la lettre E? Montre-moi. Maman aussi, allez là. Tout ça ici, il faut le faire en jaune. Toi, Mariam, tu fais le tien, ma chérie. Oh, regarde les lettres E, c'est jaune. Maman, t'as mis jaune. Jaune. Ça, c'est si. C'est la lettre bleue, la couleur bleue. Mais non, pas bleue. Si. Rania, ça c'est Mariam, ça c'est bleu, le medium bleu et ça c'est light blue. Ça c'est bleu ciel, bleu clair. Non. Et ça c'est un bleu un peu plus foncé. Tu fais comme tu veux, Mariam, si tu veux. Fais comme tu veux, s'il te plaît. Donc voilà, pour l'instant, elles font ça. Et pendant ce temps-là, moi j'en ai profité pour rapidement, on a déjà pris notre petit déjeuner, pour rapidement vous répondre à tous vos commentaires sous la dernière vidéo vlog. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a motivée à refaire un vlog. Mais donc voilà, vous voyez les filles, là je les ai occupées avec un peu de coloriage, donc là ça passe. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, elles vont commencer à s'énerver. Mais pour l'instant, ça fait au moins une petite demi-heure qu'elles sont tranquilles là-bas. Le petit allaité, il est reparti dormir. Et voilà, donc voilà. Pour le repas d'aujourd'hui, ça va être très simple puisque donc j'ai une amie qui vient manger. On va faire une quiche aux poireaux. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, ce sont des poireaux tout simplement que j'ai fait cuire. Habituellement, je mets poireaux courgettes. Là, j'ai oublié de prendre la courgette, donc poireaux que j'ai fait cuire. Vous verrez après le mélange. La pâte, je l'ai déjà faite. Elle est déjà au frigo. Donc ici, j'ai un peu de maïs parce que tout simplement, il allait bientôt périmer. Donc du coup, je me suis dit c'est l'occasion de le faire. Ok. Bon, la planche elle est toute sale puisque la salade vient d'être faite. Pour les filles, ça va être des pâtes, des nouilles complètes. Vous verrez, mais avec une sauce bolognaise. Donc dans la sauce, je vais mettre des tout petits morceaux de légumes, carottes et brocolis. Comme ça, ben, elles mangent des légumes et elles s'en rendent pas compte. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ok les filles, donc voilà, on va faire les cupcakes là, mais avant de faire les cupcakes, je vais lancer la quiche. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour pas que les filles nous embêtent trop, on va préparer les cupcakes et elles vont juste faire la décoration. Donc je vous montre vite fait pour ma quiche ce que je fais. Donc là déjà, je vais transférer ça dans un plat comme ça de chez Ikea qui est super. Un truc que j'ai oublié les filles, c'est que la pâte en général, je l'aplatis entre deux films comme ça en silicone. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple et ça colle pas au plan de travail. Voilà. Ok, donc voilà. Comme je vous disais, je vais mettre, donc, les filles elles arrivent, my goodness, non, my god, je rigole, poireaux, donc voilà, vous pouvez mettre autre chose comme légumes, je vais mettre donc une boîte de thon, deux œufs. Oh mince, j'ai fait n'importe quoi, j'ai renversé, zut, j'ai renversé le, c'est pas grave, j'ai renversé le jaune, le blanc, c'est pas grave, donc deux œufs, du thon, de la crème fraîche, sel, poivre. J'ai fait une quiche ma chérie, après on fait les cupcakes. Maman, elle vous appelle quand on fait les cupcakes. Comment? Bon, les enfants sont trop énervés. Voilà, donc vous voyez, hop, j'ai mis le four à préchauffer. Super simple avec une salade et c'est parfait comme repas. Vous voyez les filles, j'en ai fait beaucoup. Comme ça, bah, je vais prendre la bonne moitié, mettre à congeler. Et comme ça, la prochaine fois quand j'ai pas le temps, hop, voilà, si jamais un jour, j'ai pas le temps tout simplement, bah, je retire du frigo. Je retire du frigo et j'ai juste à faire cuire les pâtes. Donc voilà. Voilà, ça c'est prêt. On a préparé tous les petits cupcakes. Et donc ici, we have light here. Oh non, ok, more light. Rania, t'es en culotte, hein. Rania, t'as oublié de mettre ton short, non? T'es en culotte, ma chérie. You put less or no? Ok, 125 grammes. Ok, on va mettre un peu moins de... Qui commence, les filles? Ok, Mariam first, then Rania. Ok, Mariam, tu prends? How many sugar? 100, ok. Mariam, tu vas mélanger. Rania, tu peux tenir le plat pour aider ta soeur, s'il te plaît. Allez les filles. Mariam, regarde, Inaya le casse l'œuf et toi tu vas rajouter. Rania, il faut bien mélanger. Tu veux casser l'œuf? Écoute-moi, on va refaire la recette toute seule. Et maman, là il y aura deux œufs, un pour Rania, un pour Mariam. Parce que sinon Inaya va pleurer, elle va dire moi je fais rien. D'accord? Allez, monte. Vanille, yes. Rania, non, Mariam, à toi. Mariam, go. Mariam, à toi. Non. Prends ça, tu renverses d'abord, renverse-le. Voilà, vous avez vu les activités avec les enfants, tout le monde pleure.
quickly, then Rani and Marion turn again, okay? Okay, 5 years, and Inaya? Eight, oh my god. You see, kids? Come on. Okay, all done, that's it. Slowly. A little bit, then give it to Randy and Marion, okay? 125 grammes de farine, c'est 125 grammes, une pincée de sel. Je suis sur la recette. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça. Hein. A little bit more, less sticky. Un petit peu de lait. Just a little bit. Oh. You can mix together, les filles. Oh my goodness! Les filles! Voilà, la prochaine fois on préparera la base. Ce sera plus simple avec les filles ou alors on divise tout par 3 à l'avance. On a fait manger les enfants avant, comme ça, là on pourra manger. Donc vous voyez, quand il y a en trop, ce que je fais, c'est que ça c'est une boîte, je mets dans des boîtes et alors soit mon mari prend ça au boulot ou alors quand j'ai pas le temps. Voilà. Voilà, les cupcakes sont cuits, on va attendre que ça refroidisse et on va préparer tout ça. 1 g de beurre and how many icing sugar? Currently maybe about 2 cups. Ah, 2 cups, so 2 cups. You don't need a lot of butter. Okay. And then you will mix and add some milk. Yeah. Des colorants ici, on a différentes couleurs, comme ça elles pourront décorer leurs cupcakes. Ah, on arrive! Voilà, donc là elles vont chacune décorer 3 cupcakes. Ici on a aussi des petits... petite décoration de chocolat, et alors ça j'ai acheté chez Daiso, donc elles vont décorer tout ça, et moi je vais donner le sein à Haroun. Ok, Haroun dans une main, je suis en train de lui donner le sein, enfin il a fini là, il a quasiment fini. Razan, yo baba. Voilà, donc on va mettre les couleurs. T'as déjà goûté, Mariam? Non. Oh, we only have 3. This is the orange. There's no orange, the other one is red. Oh, but it's okay. Come out pink, so... Okay. Rania, regarde ce que tu fais, ma chérie. Okay, wait. Order from the top, and then you push from the bottom, so like... Le meilleur moment de la journée. Ah ouais? Le café. Bien sûr, avec un cupcake. Hello! Donc voilà, on est à Little India. On va faire un petit tour à Little India. Il est trop tard pour le musée, il y avait un musée avec des activités pour les enfants, on l'avait fait l'année dernière, mais je crois que là il est tard. Bébé Haroun, il est pas dans la poussette? Oui, c'est mon appareil photo dans la poussette, je pousse l'appareil photo, il est devant avec son papa dans le porte-bébé, et voilà. Voilà, on va prendre ça pour bébé Haroun, un petit maillot de bain. Il n'y a que du 6 mois, c'est la plus petite taille, mais je pense que ça devrait à peu près aller. On est chez des 4 ans. Ça va, Mariam? Wait. Et alors? On a ici des couches. Des couches pour nager. Voilà, on continue. Regardez les filles, qu'est-ce qu'il y a ici chez Decathlon? Vous avez un burkini à 70$. Donc le pantalon avec le long haut. Avec le petit foulard. Vous avez ça ici pour les... voyez, en long. Voilà. Et vous avez aussi ce modèle là, vous voyez, avec le pantalon qui est un tout petit peu plus court, qui est un peu court. Par exemple pour les filles qui veulent être modestes, pas forcément tout couvrir. Et vous en avez encore avec des plus courtes. Et vous avez d'autres modèles avec le short encore plus court. Et c'est chez Decathlon. Et oui, Decathlon Singapour. Hein. Mais comme quoi, vous voyez, ils s'adaptent vraiment. Regardez, vous avez ça aussi. Vous voyez ce modèle comme ça? Ça fait une genre de mini robe avec le... Voilà. Avec le... la petite jupe en dessous. Hello. Ok. Je crois que celui-ci. Il n'est pas mis droit, Marania. Ok. Je suis en train de chercher un masque et un tuba. Non, Rania, on a déjà essayé, c'est bon. Tiens, on va conclure le vlog. On mange indien, donc voilà. J'ai pris un butter chicken. C'est quoi ta... Tikka? Tikka. Et ça, c'est une soupe. Enfin, c'est des lentilles. Lentilles avec des nanes. Donc, c'est un genre de pain que vous prenez, que vous trempez dans la sauce. Voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.